on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling. Qui est Samuel de Barreau, c'est un passionné de chevaux, un passionné d'art, un homme qui aime bien la vie et puis qui a 3 enfants, une femme, très heureux avec des chevaux. Voilà, un homme. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai un parcours. Il m'est arrivé très peu de mauvaises choses. La mauvaise chose, la plus pire qui m'est arrivée, c'est de perdre mon père cette année. C'est un homme qui était un vrai repère pour moi. C'est un homme d'une grande bonté. C'est un homme qui était très conservateur, issu voilà, d'une vieille famille aristocratique portugaise. Et qui m'a jamais. Qui m'a toujours laissé beaucoup de liberté. Il y avait des règles à la maison, beaucoup de conservatisme. On était, voilà, il y avait la religion. Jésus, les belles choses, certes, et puis voilà, mais il m'a toujours laissé beaucoup de liberté. Et il a une phrase que j'essaye toujours de. Je dis toujours ça à mes enfants, mais tant que tu as du résultat, fonce, je serai toujours avec toi. T'as le gîte, t'as le couvert à la maison, quoi qu'il se passe, je suis avec toi. Mais pour ça, faut que tu me prouves et que tu montres du résultat. Pour moi, ça a été mon moteur. J'ai des larmes de temps en temps qui viennent le soir et c'est dur, c'est comme ça. La vie est là, les chevaux sont là. Et c'est ça qui me plaît, c'est une autre chance dans ma vie, c'est l'amour qui m'a emmené à ça. Rien que d'en parler, ça me vient. Et puis on l'a vécu, mais intensément, si fort à un moment. C'est ça qui est étrange, c'est que moi, ce que j'aime dans ces courses-là, c'est qu'il y a le départ, et puis vous voyez qu'elle. Et puis elle est très bien partie. Et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle était très bien partie, elle avait juste les bonnes personnes, enfin les bonnes personnes, les bons chevaux qui l'entouraient, je sais bien. Ils vont l'encadrer. C'est ce qui s'est passé. Et au moment où elle passe devant le château, il y a le petit tournant comme ça. Et puis à un moment, je vois qu'elle, mais c'est bizarre, hein. Là, ça fait un peu science-fiction, j'en sais rien. Je ne vois qu'elle. Et puis je me mets à hurler, à crier, et puis tout bizarrement, je vois qu'elle, il y a moi, et il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas le public, il n'y a ni mes amis. Et puis là, je la vois passer comme ça, devant. Puis j'entends les commentaires, ce qui est magique, c'est qu'il y a une belle voix en commentaire. Et puis vous entendez plein de choses, mais comme vous êtes habitué au nom Chanel, donc ça vous revient. Chanel. En plus, il a bien dit, il n'a pas dit Chanel comme la marque, il a dit Chanel comme ça doit être prononcé. Et puis vous entendez Chanel fait de mieux en mieux. Et puis vous êtes là, waouh! Et puis vous vous mettez à hurler, là c'est fort, c'est si fort, et puis vous pleurez quoi. Grande Glory également qui vient, Chanel pour la victoire avec Combe, Chanel qui repart devant Combe, Chanel Combe pour la victoire, il y aura photographie pour le succès dans ce prix de Diane. Life's a foolish game, do you ever feel the same? Well, maybe we could change. J'aurais adoré être l'éleveur de Chanel parce que ça fait plusieurs années que j'assiste Elodie dans les poulinages et on le fait avec beaucoup de plaisir ensemble. Et Forbes, par exemple, c'est un cheval que j'aime beaucoup parce que j'ai eu le premier contact au poulinage. Et aujourd'hui, quand je le vois, ne serait-ce que tout à l'heure, ou sur un hippodrome, il y a encore une étincelle que je n'ai pas eue avec Chanel, que je n'aurai jamais avec Chanel. Ce Chanel, j'ai fait connaissance avec Chanel à la Breeze Up. Donc elle avait déjà 2 ans. Elle avait déjà eu une petite histoire avant.
et j'étais pas là. Donc là, avec Aurora Gold, avec PC Motion, et avec plein d'autres, le maximum qu'on peut, dans les prochaines années, en tout cas, c'est le souhait, c'est un souhait, bah forcément, je vais avoir cette approche-là. Alors je sais pas, elles feront peut-être autre chose, mais il y en aura sans doute des gagnantes de groupe, groupe 1, j'espère, groupe 2, groupe 3, des listes, des simples courses, et oui, oui, franchement, ça me plaît. Puis ça fait 10 ans que j'observe ça dans les yeux de ma femme, et progressivement, bah forcément le virus, bah, on l'attrape hein, un jour ou l'autre. Ça, c'est comme ça. Et bah oui, là, ce qui m'ennuie en fait dans l'élevage, c'est qu'il faut attendre, il faut être patient. Alors je suis patient, mais il y a des moments où la patience, elle a des limites, quoi. C'est, il faut attendre. Donc on a les croisements, donc c'est déjà un temps. Ensuite, il y a le passage où on les envoie en saillie. Après, il y a le passage gestation. Après, il y a le poulinage, après, il y a fall, yearling, tout ça, c'est 2 ans, 3 ans. C'est ça qui est peut-être un peu long, quoi. Mais bon. Au final, la patience paye, parce que c'est démultiplié. C'est notre source d'inspiration, oui. Oui, j'ai presque envie de dire mieux que ça. C'est un autre plaisir, c'est pas une récompense de vie parce que je suis encore très jeune, mais c'est, je sens, en fait, ce que j'aime bien avec les chevaux, c'est que je sens quelque chose de beau à venir, un très beau projet à venir, et c'est ça qui est excitant. Ce qui est excitant, c'est que vous êtes presque, pas le seul à le pressentir, mais presque, quoi. Vous sentez que vous allez aller loin, et ce qui me le dit aussi, c'est que vous avez les bonnes personnes autour de vous. J'ai ma femme déjà en premier lieu, c'est déjà très bien. J'ai Bertrand le métayer aussi, c'est une vraie rencontre, et c'est un garçon qui fonctionne comme ça, avec beaucoup de respect. Il a du savoir vivre, il est un petit peu conservateur comme je le suis aussi, mais tout en ayant aussi cette petite étincelle de folie, Et ça me plaît beaucoup. Il y a aussi Francis qui a l'image du gendre idéal, que j'aime beaucoup. J'aime bien de temps en temps cette petite pointe de stress qu'il a quand il a un cheval, quand il a Chanel et tout. Là, je sais que Goodwood, ça a été un petit stress un petit peu dur, je l'ai bien senti. Mais voilà, c'est aussi une super rencontre et voilà, on a un petit cercle autour de nous. De moi, et voilà, c'est super, et donc je sens la belle chose. ça c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans l'Orne, c'est des chevaux comme ça.